Welcome to Edinburgh. Bienvenue dans cette super ville d'Edimbourg. Derrière moi, le château, je suis sur l'esplanade avec les membres du Bilingue Club. Cette ville est donc la capitale de l'Écosse et ici, nous sommes là pour progresser en anglais. C'est le lieu parfait pour retrouver une motivation, pour apprendre l'anglais. C'est le lieu parfait pour mettre en pratique tout ce qu'on a appris avec les formations de Bilingue, celle de J'ose parler anglais. Et dans cette ville médiévale magnifique où J.K. Rowling a écrit Harry Potter, où 75% des bâtiments sont classés et listés au patrimoine mondial, et bah c'est un lieu parfait pour être inspiré, se balader dans les ruelles. Et juste ici derrière, il y a des géants qui arrivent avec des kilts, je trouve ça génial. Et je t'accueille pour le Bilingue Club. Alors le Bilingue Club c'est quoi? Je t'en dis un peu plus tout de suite, reste bien avec nous. Où les participants viennent en immersion, et ici on est dans cette belle ville donc d'Edimbourg, devant notre hôtel, et on va avoir des temps d'atelier, on va avoir des temps de conversation, on aura des temps de défis, on aura des temps aussi de visite, un super restaurant, et tout l'objectif il est de retrouver une motivation, retrouver une dynamique pour apprendre l'anglais pour ses objectifs personnels. En quelques jours ici tu tiendras une conversation simple en anglais, en quelques jours tu pourras développer ton vocabulaire et tout simplement parler anglais avec confiance. Allez, je vous emmène par ici. Do you like the big utensils? Look at the flag on the top. You've got key rings, you've got plates. Mm-hmm. Look for the Sutherland in the story, and it's very interesting. Yeah. Well, have fun, tons of pictures. Welcome to Scotland. Welcome to Bilingue, welcome to Edinburgh. Even though you know each other, you have 5 minutes to first start a conversation with people around you. Happy birthday. Four or five is fine.
But this is just the basics when people ask you questions, you know, who you are, what you do, and it has to be fluent. It has to come out.